Je suis dans le noir U. Et on va tourner la vidéo U. C'est l'épisode 29 de Pokémon Donjon Mystère, j'espère que vous allez tous bien. Encore une intro de qualité parce qu'on adore. Belle intro de merde. Voilà, Vaek est en train de mourir. Ah non, absolument pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et tout. Et puis voilà, hein, je pense qu'on est pas mal. Alors aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez un Marcacrin au-dessus de moi. Eh ben, je vais aller le train, c'est-à-dire que je vais le faire en Mamochon, je vais le mettre au même niveau à peu près que Draco. Et donc je vais vous montrer comment je fais ça. C'est pour ça que je le fais en live, là, c'est pour vous montrer. Et après on ira se faire le dédale ultime. On va tenter le dédale ultime. Le dédale ultime c'est quoi? Bah c'est un dédale de la mort qui est dans le dojo au Satueur. Donc on ira faire ça pendant ce temps là, pendant que tu vas te calmer s'il te plaît. Alors pendant que je fais ça, Vaek est en train de faire des missions pour débloquer la prochaine mission de la quête annexe. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on fait on est à nouveau dans un épisode à part, un petit épisode chill. Écoutez hein, ouais, let's go. On va à la grotte littorale. Alors je vous montre comment ça se passe. Déjà je vais dans les paramètres, j'active mon code. Un code qui va me donner des origraines. Parce que évidemment je vais faire ça de manière totalement legit. Parce que vous voyez que ce Marcacrin est niveau 16. Bon attendez, je vais accélérer et tuer ces Pokémon nuls. Draco, t'as le droit de tuer les Pokémon nuls. Hein. Voilà, parfait. Alors, je vous montre. J'ai actuellement aucun objet sur moi. J'appuie sur deux boutons. Waouh, j'ai des origraines. Et regardez si je fais ça. Marcacrin qui monte des niveaux. C'est incroyable. Alors, on va se mettre en accéléré et puis on va faire ça. Donc, on va le mettre autour des niveaux 50, un peu moins. Il faut qu'il ait l'attaque pouvoir antique. C'est indispensable. Bon, oh, Vanglave. Oui. Attends. Attends, attends. Non. Ah. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, éclat-glace. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mission, c'est. En gros, bah, tu sais, je suis sur les hors-la-loi. Ouais. Du coup, je dois les tuer avec leurs objets. Mmh. Hein? Et du coup, on était contre Lydia. Et j'ai Draco qui fait sabotage, du coup bah, l'objet d'Ilia il tombe, tu vois. Ouais. Et donc je tue Ilia et tout, et il se trouve que son objet est tombé dans le seul carré d'eau qu'il y a dans la salle. Et tu peux pas le prendre? Je peux pas. MDR. Attends, mais en fait là je suis en train d'essayer de faire en sorte que Krippané aille sur la case, mais ça va être compliqué. Parce que c'est dans un crawl bordel. Putain, fais chier. Alors, je pense que Marcacrin n'apprend pas pouvoir antique, c'est-à-dire qu'il faudra que je le fasse évoluer en Cochignon. Comment on fait pour... Vas-y, va là-bas, putain. Voilà, là. On ne s'énerve pas, s'il vous plaît. Blizzard. Alors, bon, les mouches, je verrai. De toute façon, il pourra sûrement les réapprendre. Bon, écoute, on va laisser 46, parce que si je leur donne une baie, il va être 51, c'est peut-être un peu fort. De toute façon, il va gagner, à mon avis, je vais gagner pas mal d'XP dans le dédale ultime, donc... Jusque je faire là, j'ai Krippané. Enfin, là, en fait, voilà, tu vois, il y a la flaque. Ouais. À droite de la flaque, il y a Krippané. Et à droite de Krippané, il y a moi. Et du coup, je vais essayer d'utiliser une souffle-orbe sur Krippané. Ouais, mais tente des techniques. Utilisez. Tiens. MDR. Ça a marché? Oui, mais j'ai. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, ça aurait été drôle. Bon, bah, moi, j'ai fini mon truc. Alors, ce que je vais juste faire, c'est désactiver mon code. Ah, excusez-moi. C'est bon, j'ai fini mes objectifs, pourquoi il me dit pas que c'est fini? On fait une petite sauvegarde des familles. Ah, je remarque qu'il y a à nouveau des lags, je sais pas... Je ne sais point pourquoi, c'est peut-être parce que j'étais en utilisation intensive sur mon ordinateur avant. Il a peut-être pas... apprécié. Bref, du coup je vais jeter les origraines qui me restent. Il y a un bug. Oui. Ça me dit même pas que j'ai fini la mission, c'est pour la merde. Ouais, mais non, mais t'as pris le truc. Oui, oui. Et tu t'es barré? Bah non, je peux pas, justement, il m'a pas proposé. Mais c'est parce que c'est pas toi qui l'a ramassé, c'est ça? Oui, mais je sais. Ton collègue. Ouais, mais tu t'en fous, t'as une autre mission à faire. Non, justement. Ah bah ça, c'est chiant. C'est quel donjon? Caverne Saline. Bah tu vas devoir finir le donjon. Bah non, mais si je finis le donjon, mais est-ce qu'après j'ai mes récompenses ou est-ce que je vais me faire Bah oui, normalement oui, je suppose. Alors donc maintenant on va faire évoluer Marcacrin, voilà. Alors attendez, il faut donner un surnom à Marcacrin. Comment on l'appelle du coup? Mamochon. Mamochon c'est badass quand même. Qui c'est qu'on appelle Mamochon? Moi. Est-ce que tu penses que... Mais toi, non. Ok.
Est-ce que Geoffrey pourrait être un Mamochon? Allez, c'est bon. Réfléchissons. Qui pourrait être un Mamochon? Non, attends, je m'en fous, je te fais la gueule. Très bien. Je pense que je vais l'appeler Geoffrey. Parce que. C'est de la merde que tu m'as donné, connard. Tommy, je le vois pas l'appeler. Je le vois pas s'appeler. Enfin, je vois pas Mamochon s'appeler Tommy, tu vois. Enfin, je vois plutôt pas Tommy être un Mamochon. Donc voilà, petite dédicace à Geoffrey. Super! C'est qui ton père? C'est quelqu'un. Bon, c'est ma femme. Ah. Mais qui a pas compris, tu sais. Elle sera même pas là, ta femme, au nouvel an. Non. Alors c'est moi, oui. Bah écoute, je peux m'arranger, mais. Le bus il passe pas le week-end, alors c'est chiant. je crois qu'il passe pas pendant les vacances en plus. Ah merde, c'est con. Alors attendez, donc maintenant ce qu'on va faire. Donc pour les mots, on verra. Alors là, si tu veux, mon Marc Cacrin a appris séisme. Le problème, c'est que séisme, je crois que c'est assez nul dans le sens que déjà ça touche son partenaire, sauf s'il est type vol. Et surtout, ça rate assez souvent. Donc, bon, déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui réapprendre l'attaque. Non, pas ça. C'est où? Ce souvenir. On va lui réapprendre pouvoir antique, voilà, pour qu'il puisse évoluer. On va lui enlever coup de boue dans les médias. Parfait. Et on va pouvoir aller faire évoluer ce cochignon. On va faire évoluer Geoffrey, c'est parti. Et on va être bon. Bon, ça va vite. Hein. Pas de raison que ça mette 3 heures. Et on va faire évoluer Geoffrey. Hein? Il était niveau 46 du coup. Il subit des changements. Il a évolué de cochignon à Mamochon. Waouh! Ah ouais, mais du coup, je vais devoir réengager Draco. L'erreur du joueur français. Draco, viens là. Ah, et maintenant, ce qu'on va faire, le temps que tu finisses ta mission. J'ai fini. Ah, c'est bon, bah parfait. Bah, je vais juste voir si les attaques idéales que je peux mettre à Geoffrey dans l'immédiat. Alors, poudreuse. Poudreuse, c'est pas mal parce que ça touche tout le monde en vrai. Je préfère prendre poudreuse que séisme parce que séisme, franchement. De toute façon, c'est chiant, ça touche. Ça touche tout le monde, mais même mon collègue. Alors, comme il n'a pas encore évolué. Ouais. Ça me semble un peu embêtant. Parce qu'en vrai, en plus des attaques sol, j'en ai donc. Ah, attendez. Non, non, attends. Éclat glace poudreuse, c'est sûr. Ah, boubombe, oui, à la place de pouvoir antique. Et après, je vais voir ce que j'ai comme CT. Peut-être que je lui mettrais bien quand même. Peut-être lame de roc. Hein. J'ai la CT lame de roc, en vrai. Mais est-ce que c'est utile lame de roc sur lui, en vrai? Pas vraiment. Oui. Oh, mais non, mais c'était là. Alors attendez, qu'est-ce que. Non, mais l'âme de roc, ça me faisait juste penser à un truc qui s'est passé tout à l'heure, donc. D'accord. Bah, c'était là pour le mettre. Ah oui. Évidemment. C'est triste quand même. Mais c'est un peu le propre de cette attaque de merde. Est-ce qu'il peut avoir tunnel, Mamochon? Oui, totalement. Quoi? Je suis fait. Tunnel à la place de Boubon, moi je suis chaud. Tunnel, c'est tellement fort. Il n'y a pas de débat là. Tiens d'ailleurs, on va vendre tout ce qu'on a. Tout ce que. Enfin, on va vendre cette chose là. Il n'y a rien à vendre, mais c'est pas grave. Et on va déposer nos sous parce que il faut y aller à poil hein, dans le dédale ultime. Hein. C'est bien pour ça que c'est dur. Oui, je sais, je suis à poil. Ok. T'es déjà dedans? Non, pas encore. T'es au dojo Saturne ou pas? Non. Parce qu'il y a du texte, non, mais non. Moi je l'ai passé le texte donc. Je l'avais passé il y a longtemps. Donc si tu peux le faire. Là, tu peux pas vraiment. Attends, je suis en train de me perdre dans mon trésor là, attention. Je sais pas comment il fait pour se perdre dans mon trésor, y'a rien dans mon. Y a rien à mon trésor. Qu'est-ce que c'était que ça, c'est tout ce coup, ça, la bonne note, connard. Oh, y'a un grand trou. Ton grand-père. Ouais, y'a beaucoup d'attaques glace quand même, ce Pokémon. Ah, mais c'est bon! Bon, y'a pas, hein. Pas beaucoup de texte. Oui, oui, bah oui. Ah, ça m'embête un peu là, cette histoire de Mamochon. Peut-être lui mettre quand même. Qu'est-ce. Avec sol et glace, quel type je touche pas en vrai? Pas beaucoup de types que je touche pas. Hein.
Les types O, tu tapes neutre, nous. Ouais, bah oui. Donc c'est pour ça. Peut-être des types O? De toute façon, y a rien Les qui ici, peut en fait, hein. apprendre. Ouais, je réfléchis juste si une attaque peut me servir. Ouais, non, je pense pas. Bon, on va y aller comme ça, les gens. Écoutez, Geoffrey va y arriver, j'en suis certain. Allez, c'est parti, dédale ultime. On y va à poil. Attention, si vous entrez ici, tous les objets seront perdus. Oui. Oula, putain, il fait mal! Mais c'est quoi ce truc de merde? Alors, eh ben c'est parti, un vent glace. J'ai Elle niveau démarre. 46 du coup. Hein. Est-ce que... Ah oui non, oh putain, ils sont super forts, même à l'étage 1. Ok, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Allez, tunnel. Oh, mais je fous la blague. T'as trouvé quoi? Donc. Bah Fuis, fuis, ça peut être pas mal. Ce qu'il faudrait qu'on trouve surtout, c'est des pompes, parce que moi je me dis, il y a moyen ouais. de... Comme on est parti à poil, il y a Il y a tellement moyen de moyen mourir de de... faim. À mon avis, on meurt de faim tellement facilement dans ce donjon. Je me rappelle plus trop, mais à mon avis... Frappe Atlas. Putain, Quoi, ils sont niveau 40 les Pokémon? Oh, oh, l'étage 2, ils sont niveau 40, bah putain. On va se faire niquer après. Ouh la fampi. Oh, il y a des gros lags à nouveau là. On va peut-être dû redémarrer le PC avant de lancer la vidéo. C'est vrai, c'est Draco, bon. je vais te laisser faire parce que j'ai pas envie de me faire défoncer. Attendez, on va tenter Poudreuse. Putain, mais Poudreuse, c'est tellement fort en vrai. Ah, par contre, il faut 3 attaques pour tuer un Pokémon. Non mais putain, il y a Drakkar qui se barre, il va se faire piquer. Merde, en plus moi j'ai mauvais conseil. Mamochon vs Marcacrin, qui va gagner? Eh ben, Geoffrey a vaincu. Mais quel fou. Bon, ça va, je trouve Il a l'escalier assez vaincu à vite. ça? Ah, ouais, il a vaincu. Je pensais qu'il en avait qu'un seul, hein, comme Il tout. a pas volé. Et Putain, mais il est en train de se faire bouffer Drakkar. que la glace, ça. Ah merde, non, ça tape à deux crans. Pas mal. Ça fait un bruit bizarre avec la glace. Ouais. Mais En attends-moi, fait, Drascore, putain! avec la glace, c'est comme les prios. Je crois que toutes les prios, ça doit être ça. Ça tape à moitié, quoi. Putain, les rapions, ils donnent cher d'XP, quoi. Genre, ça tape de deux carreaux. Oh yes! Je trouve une pomme. T'es Je sérieux? trouve une gelée aussi. Petit éclat glace. Ça donne Mais arrête l'XP de faire fort, ça, pour le sabotage, coup. t'as plus vraiment. Bon, pas tant que ça. Personne ne déborde. Étage 6. Bon, du coup, je t'ai dit. Je sais plus si je t'ai dit, hein, mais c'est un gros donjon. Hein. Oui, je vois ça. Ouais, non, mais genre, est-ce que tu. En gros, combien d'étages tu imagines, toi? Je sais pas, 50. Ouais. C'est à peu près ça, je crois que c'est 49. Ridicule! T'es à combien? 7. Tu vas vite. J'ai Draco qui a failli se faire déboîter. Il était en train de se faire martyriser par un type feu quand même. Quoi? Oula, tunnel. Mais même au champ tunnel, c'est assez drôle quand même. J'avoue, ça doit être très joli. Putain, par contre, Bref. c'est bizarre, il y a des Pokémon qui donnent pas d'XP alors qu'ils sont super forts, c'est un peu chiant. Mais mec, mais putain, mais il y a des cristaux de partout. Ah. Petite échappe-orbe. Oh merde. Poudreuse, ça touche, non? Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, parfait. C'est des feux forêts, c'est un peu chiant. Yes. Et Tunnel. j'imagine qu'on peut pas recruter ici. Hein. Si. Ah bon? Si. Ah, si, parce que à certains étages, il y a des légendaires qui apparaissent, mais on l'a pas activé, donc normalement, on en aura. Il me semble qu'on n'en aura pas. Je crois que c'est avec des lettres spéciales que tu obtiens, c'est des missions spéciales que tu obtiens via des codes. On l'a pas fait. On le fera peut-être plus tard, mais c'est super chiant. Parce que, genre, t'as le légendaire, il est une fois dans un seul étage précis. Genre, je crois je sais qu'il y a Jirachi au 23, je me rappelle. Mais du coup, t'as une certaine chance qu'il te rejoigne, mais c'est pas 100%, quoi. Tu pleures, putain! C'est grave chiant, du coup. Il est où l'escalier? Ah, il est là. Et il y a aussi. Donc, si on trouve pas l'escalier, enfin, si on trouve pas. Normalement, ça va, on est large. Mais... Ah, moi, perso, je suis bien. Hein, je suis à l'étage 10, j'ai de la chance. Mais du coup, tu sais, si tu restes trop longtemps dans l'étage, tu te fais chasser. Oui, je sais, mais moi, faut que je trouve déjà l'escalier.
Ah, je l'ai. Ah ouais! Eh mais je vais mourir! Oh mais là, attends, 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 attends. De quoi? Bah, il y a un MacBee m'a fait ébullir, m'a enlevé 90 PV. Ah, Mais, tu sais, Draco, t'as le droit de taper en fait, hein. Faut tout que je fasse à ta place, hein. mais... Nice. L'auberbe. Je sais pas ce que c'est. Ah bon? Quoi? Oh, Wouhou! Mais mu de mec, toi, ça Draco! me va dans la gueule, Magnifique. tu me dis raté, quoi. Tiens, dégage. J'ai une BO rang là parce que. Ah oui. Putain. Je vais me faire T'as fait défoncer. faire un Je vais me faire niquer par Magnéti. Oh yes! Je trouve une résugraine. Oh putain, la chance. Enlevez-moi cette chatte, s'il vous plaît. Enfin, quoique. Ah non, c'est bon. Il en peut bien. Ah, écoute, la résugraine au moins. Elle a servi, elle va te servir. Elle était utile. Elle a servi quoi? Ah mais clairement les MacBee, ils ont pas le temps. Hein. Il est arrivé, il m'a fait lance-flamme, il m'a one shot. J'ai 134 PV, ça a mis moins 134, j'ai vu ma vie disparaître, j'ai fait ah bon bah écoute. Oh mec! Je viens de trouver la CT Avalanche. Et tu vois, là c'est chiant qu'on puisse pas voir les dégâts parce que j'ai Avalanche et genre oui Avalanche et Vanglace, il y a un PP de différence, tu vois, mais je sais pas lequel est le mieux. Oh non, merde, je commence à avoir faim. Suis pas dans la merde. Je me dis Avalanche ça doit être fort quand même. Mais je sais pas ce qui est le mieux. Putain, il y a des Pokémon, ils me font super mal quand même. L'avantage de Vanglace c'est que ça drop la vitesse aussi. Oh comment je me fais casser le cul, c'est violent. Putain, mec, c'est... Oh merde, c'est chaud. Oh Magnéti par contre, moins 5, moins 451 PV, hein, je lui ai enlevé. T'as qui déjà? Mamochon. Mamochon tunnel sur Magnéti. Moins 451 PV. T'es à combien toi? 10. Ok. Quoi? 12. Ah merde, j'ai fait tunnel, je voulais faire poudreuse. Oh putain, ils sont chiants ces Pokémon. Ah non, 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 non! Mais c'est dégueulasse! Quoi? Mais comment on fait pour. Ah, c'est bon. En fait, il y a un putain de feu forêt, là, il a fait Mais tu es là, Requiem. putain! Il a fait Requiem et ça a affecté Draco. Mais je sais pas comment ça marche, moi, tu sais. Ah, du coup, il est mort. Non, non, du coup, j'ai bougé et ça a marché. Oh putain, non, pas lui. Ah merde, il y a un Oh, qui est mort, bon. Alors. mec. Quoi? Il y a un MacBee. Il a fait Zénith. Ouais, je fais tunnel, hein. Je prends pas le risque. Mais what? Mais d'où il est mort? Mais qui c'est? Putain, j'ai de la force, il est mort. Ah merde! Et toi, t'es qui, toi, du coup? Guérissant. Ah! Merde. Vous pouvez arrêter de rater vos attaques? Je viens de recruter la Miss. Je vais essayer d'apprendre Avalanche. Je pense qu'Avalanche c'est meilleur que Vanglace. Franchement, à 1 PP de différence, je prends pas beaucoup de risques. Oh yes, je trouve une pure graine. Ça c'est cool. Je trouve une télégraine là. Quoi? Ah merde, j'ai faim. Non, 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 non. Ok, d'accord. Ah bah, Mediena a Quoi? besoin d'un mois. Bah, vas-y. Bah j'ai fait une grave erreur, Avalanche c'est bien de la merde. Pourquoi? En fait ça marche en mode patience. Ah. Et du coup je me suis pris des grandes tartes, j'ai failli crever. Mais ça marchait même exactement comme patience. Ah bah du coup j'ai un problème. Mec, mais je trouve pas de pomme, quoi, c'est chiant. Mititika utilise High Jump Kick. Putain, il a fait. Geoffrey, coup critique. Non non pas coup critique mais son attaque augmente. Geoffrey perd 194 PV. Pourquoi ça va t'accomplir? Coloforce. Ah merde. Oh mais ouais mais ça a rien changé, mais je me suis fait défoncer. Je vais mourir. Bah écoutez, on va retenter, mais on va faire un truc, je pense. On va tenter 3 fois.
Et au bout de la troisième défaite, on arrêtera la vidéo. Je pense qu'en termes de temps, oh, on sera pas mal. Allez, on est reparti. Mais c'est beaucoup trop fort, écouillable. C'est quoi ce bordel? Il faut bouger d'un pas et je crois que ça le désactive. Bah non, parce que là, j'étais en train de marcher. Enfin, il a fait un QA, mais je marche et il est mort. Ah bah, je sais pas alors. Alors, je disais, on y est retourné. J'ai réappris Crogivre à mon Pokémon. On va essayer de s'en sortir. Tu peux arrêter de faire doux parfum et tu peux avancer, connard de Mistybule. Oh, il a fait relais, le con. Bon. Ok. Il est pénible, par contre. Avec la glace. Du coup, t'as perdu? Attends, pas encore. Tu es concentré? Ouais. Putain, mais nique ta mère, là! Putain! Bah oui, j'ai perdu. J'ai même pas vu arriver, ce connard. Tu étais plus con que centré. Oui. Dommage. Argue. Oh, je trouve. Oh putain, nice. Oh mec, je vais faire un 7 strat. Je vais faire un 7 strat de ma mochon. T'as les PDR? Ouais, je viens de trouver les PDR. Ce mamochon va devenir stratégique. Encore mieux que le Krabby de la dernière fois. Bon, alors, par contre, ça m'énerve, mes Pokémon, ils se prennent des grandes tartes et ils se laissent taper. Bah voilà. Medina, il s'est fait. Il se faisait attaquer par un autre Medina, bah il se laissait faire. Il faisait rien. Normal, attends, on se frappe pas entre Medina. Mais il est mort comme une merde. Hein. Ah bah, je peux dire que l'autre, il en avait rien à foutre. Hein. Il frappait son pote, mais comme une chienne. C'était des grandes gifles. Oh putain. Vas-y, Crogivre. Ah, Crogivre, ça fait plus mal que. Par contre, faut que je fasse gaffe face à les types combat comme ça, parce que c'est le coup à me faire défoncer. Moi aussi, je vais me prendre des grandes gifles. Oh, y'a rien ici. Est-ce que c'est les révélants qui étaient d'autres sous les objets? Oh, Machoc se joint à moi. Oui, c'est ça. Mais ça, il faut les mettre de côté. Bah non, maintenant, je vais voler 2-3 trucs là. En attendant. De quoi? Je vais me faire des objets, je crois. Ah, bah si tu veux. C'est dans quel donjon qu'il faut aller? Pour quoi faire? Pour avoir plus de chances d'avoir des gros magasins. Bah moi c'est. Mais je sais pas si tu les as débloqués parce que c'était des donjons. T'en avais débloqué pas en faisant en cherchant des missions. Je sais pas. Je sais qu'à contrer mon Mistral et contrer inexploré, j'en avais eu pas mal, des trucs cheatés. Si t'as. Et sinon, va voir les missions que t'as. Et pense à regarder au magasin hein, ce qu'ils ont chaque jour comme orbe. Ouais. Ça coûte pas très cher, ça vaut le coup. Après, je t'ai dit, hein, échappe-orbe, révèle-orbe. Où est-ce que j'ai? J'ai une aspire-orbe. Aspire-orbe à la base. Stupéfiant. Ouais, pétrifiant aussi. Oh, le Shadow Ball casse des fesses. Je viens de recruter un Machoc, niveau 40. C'est cool. Si je veux, peut-être je me ferai ma cognure, tiens. Oh putain. Alors je vais aller. Ah non, j'ai pas tes trucs. Ah merde. Est-ce que c'est bien Heal 0 et tout? Mais mec, ça sert à rien. Tu vas jamais les finir ces donjons. Ouais, bah je me barre, j'ai l'échappeur, ça sert à quoi? Ouais, mais c'est super dur. Ok. En plus, j'en sais rien. Deuxième mort. Hein. C'était rapide. C'est super dur ce donjon parce que il suffit d'un Pokémon pour te faire déboîter. Ouais. Alors attendez. Bon, je vais faire mon petit tri d'objets et on y retourne pour la troisième après. Allez, on y va pour la troisième et dernière. Pour le troisième et dernier essai. Sur ce dédale. Bon, on n'est pas allé loin sur les deux premiers. Surtout sur le deuxième. Mais on va tenter de faire notre mieux là sur le dernier. C'est des donjons extrêmement compliqués. Oh, il faut être tellement concentré en vrai. En fait, c'est une sacrée stratégie ce jeu. En fait, dès qu'il y a un Pokémon, non mais dès qu'il y a un Pokémon qui peut me tuer, en fait, il faut connaître tous les Pokémon de la map, je pense, et être genre dès qu'il y a un Pokémon qui est susceptible de te défoncer, il faut que tu fasses autre chose quoi. Genre, faut que tu recules, que tu laisses un autre faire quoi. Tu peux le tuer, merci.
Roupigraine, super, ça a changé ma vie ça. Genre legit, là il y a un Mike B. Bah j'ai de la chance qu'il m'attaque pas, donc là je peux faire tunnel, mais sinon, là c'est pareil, il y a un... Il y a un Meditica, limite, faut que je laisse les autres faire, hein, si jamais je vais pas le one-shot. Bon là je l'ai one-shot, parce que tunnel c'est trop fort un peu, mais... Mais bon. Je pense, il y a une petite stratégie à établir. Genre là, il y a un Ammonita, je me casse. Je laisse faire Machoke. Bah voilà, regarde, parfait. Maconure, je l'appellerai Tommy. What the fuck? MDR. Mec, je viens de trouver la CS Escalade. Je sais même pas si ça sert à quelque chose, les CS en vrai. Putain, mais en vrai, limite, faudrait que j'utilise une échappe orbe, j'en ai une, non? Parce que peut-être ça peut servir en vrai, c'est peut-être le genre de truc qu'il faut garder et stocker, non? Bon, si je fais Crogif, ça passe, l'autre il va le finir. Ouais, parfait. En fait, je pense que j'aurais dû y aller avec Draco comme meneur dans ce donjon. Ça aurait été plus pratique. Parce que déjà, j'aurais pu contrôler ses moves, ça lui aurait évité de faire de la merde. Et putain, c'est chiant ça. Pourquoi une Kevoras en fait? Merci. Ah, et surtout, le problème c'est que Mamochon il a beaucoup de faiblesses. Donc là où Draco, bah il en a moins. Type dragon, c'est fort. Ah, ouais. J'ai trouvé une petite pomme. Je suis pas sûr d'en avoir l'utilité en fait. En fait, c'est pas la fin le problème finalement. Putain, mais les attaques... Ouais, t'as eu pas le temps d'avoir faim. Ah non, non. Mec, des attaques neutres, elles te mettent 50 PV, tu sais. Attends, il y a un orbe, là. C'est quoi? Téléport. Un téléport, ça peut servir, ouais. Oh, un Drabi. Un Bagon. Bah Bagon, putain il a tanké ça Bagon, bah putain. Putain mais j'ai de la chance. J'ai de la chance qu'ils soient cons les Pokémon en face, bah parce que putain je fais des erreurs. Il joue pas strat. Ah, il joue comme de la merde. S'il joue strat, ils font de la stratégie nulle. On dirait toi. Bah vas-y ta gueule. Je suis meilleur que toi, tu le sais, donc tu rages. C'est vrai. Tout le monde le sait. Bah, putain mais mec mais Tommy il a pas encore son nom mais il met des grandes gifles hein. Il regarde les Pokémon, il leur fait TALALA. Réveil forcé, ça casse les culs. Coucroix. Tiens connard. Sacrifice, paf, il sacrifie sa vie même pour la cause. C'est vraiment un BG. Il hésite pas à tuer ses confrères Machoke. Paf. J'adore l'animation de cette attaque. T'as déjà vu l'animation de réveil forcé? Tu peux arrêter s'il te plaît? Oh non, il a fait ténacité. Oh la pute. Oh, je me casse. Oh, je vous laisse faire vos conneries. Par contre, j'ai plus rare d'attaque. Je crois que Draco va mourir. Ah merde, mais il va utiliser ma résugraine, ce con. Attends, est-ce que j'ai une BO à lui donner? Ah merde. Ah, fais chier. Bah, il va utiliser ma résugraine, non? Oh putain! Mais putain, mais ça se fait pas, il me reste 20 PV. Tu peux le faire. Oui, Draco, tu l'as fait. On t'a utilisé ma résugraine, mais tu l'as fait quand même. Allez, c'est un Vortante, vous êtes capable de niquer un Vortante quand même. Si. Putain, mais tonnerre, c'est tellement fort. Non! Ah, je me fais paniquer par un Mimigal, hein, s'il vous plaît. Putain, tout à l'heure, c'est un Mimigal qui m'a tué, sans déconner. Le problème, c'est que c'est lui qui fait Darnuée et qui m'enlève 40 PV par 40 PV. Oui, bah il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux? Il est trop fort, je te l'avais dit. Bah ouais, bah, casse un peu les couilles. Oh, Geoffrey niveau 47. Chérie Coco, faut pas blaguer. Tu l'as fait, tu veux que je mette ça
Tu veux que je mette ça sur la clé? Non, je m'occupe. Je peux mettre ça sur la clé. Quoi? Je peux la mettre sur la clé. Ah oh bah oui, ça passait par la tête comme ça. Oh, je t'ai mis des trucs. Bah attends, faut faire un peu de tout. Hein. Ah bah là. Ouais. Bah là, je peux dire qu'on est servi hein, pour le coup. Oh merde, oh, on va se faire chier. Non mais arrête de mettre des gifles à ce Pokémon. Merci. Oh, Machoke niveau 41. Yahoo, j'ai monté un niveau. Ouais, super, ferme ta gueule là. Continue de mettre des grandes gifles, ferme ta grande gueule. Oh, j'ai fait un match tout à l'heure à Thème. Tu sais qu'on avait fait le défi gay. Ouais. J'ai pris ma team défi gay contre le mec qui joue en demi-finale là. Il a pris une team full papillon. Ouais, parce qu'en fait après on a fait un appel vocal avec plusieurs personnes de la CP grec et on s'est bien marré. Vous êtes tapé des barres. Ouais. D'accord. Et du coup il a pris une team full papillon. Et tu te rappelles qu'il y avait dans ma team gay? Il y avait Pifé. Ouais. Pifé face à une team papillon. Oui. Il a fait. Ça a été le PGM. Sérieux? Avec sa double faiblesse, il a tout niqué lui. Oh putain. Je t'enverrai le match. Tu vas être mort de rire. Ah bah, je t'avoue que ça me fait rire rien que d'entendre parler. Mec, je suis en train de me stuffer de ouf, ça me fait chier, j'ai presque envie de me barrer, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Ah oui, tu sais le jeu dont je t'avais parlé là, Armello, que t'as essayé de. J'ai envie de t'avais pas réussi. Ouais. Mais tiens, avec les cartes payées, je l'ai acheté sur Switch. Et en plus, j'ai acheté la version intégrale, ce qui fait que j'ai tous les persos et tout. D'accord. Et du coup, si un jour tu viens à la maison, tu pourras essayer. Ouais. Si tu fais un petit détour en Arménie. Évidemment. je t'avoue que je pense. Ah, attendez. Je pense, les mecs, on va quitter ce donjon en vrai. Parce que je suis en train de. Je me suis bien stuffé. Et là, je pense que. Il serait plutôt raisonnable de s'enfuir parce que là on a quand même pas mal d'objets. Oh, en plus j'ai besoin d'argent, je pense qu'il serait assez raisonnable d'utiliser une échappe-orme. T'es étage combien? Je suis étage 22, mais je finirai jamais, j'ai pas de baie. Et en plus je suis dans le mal, j'ai pas de résugrade. J'aurais une résugrade, je continuerai, mais je pense que je vais m'arrêter. En plus j'ai plus de PP. Puis en termes de temps de vidéo, on est pas mal aussi, donc je me dis. Pourquoi pas hein. Ouais. En plus Machoke s'est fait défoncer, il était pas mal donc. Ah bah tiens bah regarde j'ai faim là. Bah, je pense que c'est une meilleure solution de s'arrêter là. Avant de perdre complètement là, on va utiliser une échappe-orbe les jeunes. Ta-la-la. Ah normalement je garde tout. Normalement je garde mes objets et tout. C'est ça, j'ai tout gardé, parfait. Et bah écoutez, on aura fait des bonnes courses. On essaiera de se finir ce donjon, un de ces quatre peut-être. Mais c'est un donjon assez compliqué, comme je vous l'ai dit. Alors on va déposer un peu les gelées qu'on a gagnées et tout. En vrai, ça vaut le coup parce que j'ai récupéré un coffre et quelques orbes qui peuvent être pas mal utiles. Fulgur Orb, je sais même plus ce que ça fait, mais je vais garder. Et puis le reste, je vais vendre, hein. Écoutez. Comme ça, on se refait un peu d'argent, ce qui est appréciable aussi. Alors, ces épisodes, on vous montre un peu comment on triche. On se fait un peu le dédale ultime. Épisode pépouze. Épisode chill, ouais. Pas très long, je pense. Enfin, certainement, j'ai certainement coupé quelques endroits. C'est pas mal de pas avoir un... C'est pas mal de... C'est, pour une fois, j'ai pas un rush qui dure... 2 heures de record, c'est quand même assez énorme quoi. Il dure 40 minutes, c'est quand même incroyable. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Hein. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Écoutez, on va peut-être faire une petite sauvegarde. Okay. On va se faire, on va se laisser là sur cet épisode tranquillou. Et la prochaine fois, on fera sûrement la prochaine mission. On va reprendre la quête annexe tranquillement. On alterne un petit peu. On fait un peu comme on a envie. Mais bon, de toute façon, c'est la quête annexe. On est en mode chill dans tous les cas. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bah, bisous. Hein.